En réalité, tu mérites, tu t'arrives, tu oses, tu grandis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi ashhadu annahu huwa alladhi khalaqana. C'est lui qui m'a testé, qui en réalité c'est lui-même qui fait créer nous. Wa ashhadu anna Allah lam yakhluq al-bashara abathan. Pour témoigner, mon frère, mon sœur, qu'Allah n'a pas fait créer humain sans raison. وَأَنَّ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ et me témoigner qu'il y retourne final l'hypocote Allah même. فَاللَّهُ يُحَاسِبُنَا et Allah vous prend compte avec nous. En réalité, mon frère, mon sœur, Allah subhanahu wa ta'ala parmi l'humanité les fins choisies à nous pour mettre la lumière de la croyance dans nos lesquels, les fait nous venir mu'minun, croyants et mandats. Allah subhanahu wa ta'ala, l'in appelle nous musulmans, ou asalna comme les musulmans, l'in appelle eux musulmans, dans tout bon livre du passé et dans sa livre là aussi. Afin qu'il vous dit comme un témoin pour Allah contre l'humanité, pour montrer l'efficacité système de la vérité. Et parmi les musulmans, Allah il fait nous vivre dans le dernier umma, khayra umma, ummati Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela n'est pas une coïncidence. Tout cela n'est pas un coup de sens, mais tout cela c'est les décrets d'Allah. Et il vaut la peine qu'il nous rappelle eux. Non, il n'a pas arrivé dans l'existence, excepté par cette petite chose. Non, il n'est pas arrivé dans l'existence, excepté par cette petite chose. Premier, la prédestination, Allah est prédestiné pour y arriver. Deuxième, le décret d'Allah. Al-Qadr, le décret d'Allah. Troisième, la volonté d'Allah, Allah son mashiyat, son will. Quatrième, Allah son iradat, Allah son l'envie, son désir. La volonté et le désir, des petites choses différentes. Il faut dire la désir, il voulait une petite chose, la petite chose à venir. Cinquième, Al-Kitabatu, l'écriture. Si pas d'écrire, il ne va pas arriver ça. L'écriture aussi, Allah même qui donne, commande la plume pour écrire. Sixième, la permission. La permission veut dire, il faut dire Allah permet, malgré qu'il est capable d'écrire, malgré l'indécrété, mais quand il arrive, là, il n'y a pas de permission qu'il soit apparu. Et septième, l'air. Pour dire, l'air là, arrivé, l'air là, qui a là, il crée quelque chose là, il fait y arriver. Pas juste une petite chose qui a là créé, ou bien du monde, ou bien la terre, ou bien les ciels, ou bien la montagne, non. Allah crée une circonstance, Allah crée une raison, Allah subhanahu wa ta'ala, il crée tout ce qui est n'a pas arrivé. Allah crée tout ce qui est n'a pas arrivé. Et dans le contexte humain, dans le contexte insan, Allah fait nous les qui nous, en tant que créatures, nous évoluer dans une spécificité. Nous évoluer nos bases, raisonnement, compréhension et l'état de conscience. Pourtant, dans les autres créatures, comme à pied, comme à la terre, comme à les ciels, comme à le soleil, comme à la lune, de toutes ces créatures, mais Allah peine voulait qu'ils aient évolué dans sa fréquence qui humain évolue. Parce que humain il a sa fonction, la terre il a sa fonction, les arbres il a sa fonction, les ciels et dans sa fonction, soleil et dans sa fonction, la lune, chacun et dans sa fonction,
dépenses nature se caractéristiques, les fonctionner pour la raison pour laquelle elle l'a créé. Humain pas pour capable faire le travail qu'il allait faire. Il n'a pas pour capable faire le travail qu'il serait faire ou bien qu'il l'avait à faire. Ça gagne dans ce département, lui fonctionner selon fonction qui, ce créateur, ce l'initiateur qui ne permet plus pour exister, il ne définit à lui. Ni la ligne capable de prendre fonction soleil, ni soleil rentre le fréquence la ligne, ni ban humain prend place ban bourrique, ni ban bourrique prend place ban mouton. Chacun est dans sa fonction et par rapport à sa fonction, Allah il donne lui ban moyen, Allah il donne sa ban moyen, la ban habilité, et tout ce qui a besoin pour fonctionner comme un humain, Allah subhanahu wa ta'ala il donne où. Il donne où l'énergie, il donne où habilité, il donne où une guidance, il donne où un raisonnement, une compréhension, un état de conscience, il envoie un prophète vers où et il fait descendre un livre qui a l'instruction là-dedans pour ou n'a pas fait erreur dans ou évolution, dans ou fonction. Et nous voilà en convivant, humain, conscient, raisonné et comprend. C'est Allah qui donne nous vivants, c'est Allah qui peut permettre que l'esprit raisonner, alors qu'il y a une capacité pour d'un seul coup, comme lui faire un avion cassé, nous allons dormir à l'hôpital. Nous allons être causé, un côté paralysé, et nous allons être capable de raisonner, nous allons être capable de faire beaucoup de choses. Ça même Allah, il y a une capacité pour bloquer les guerres, sans qu'il y ait un lit l'opération. Khatam Allah ala ulubihim. Allah met un scellé le zot de kéa. Wa ala sam'ihim le zot d'oreille. Wa ala abswarihim. Et le zot lisier, riche à voir, Allah met un voile. Pareil, comme Allah a une capacité pour créer un humain, comme ça même Allah a une capacité quand il finit créer, il y a anéanti sa création. Et dans Allah, sur considération, mon frère, en ce qui concerne Allah, time avec place, péna l'effet. Allah tiété, time pas tiété, Allah tiété, place pas tiété. Donc Allah n'est pas besoin ni le temps, n'est pas besoin ni place. N'importe que t'étais dans sa dunya-là, Allah trouve-lui dans celle-là, lui tamli dans celle-là, Allah témoigne tout ce qui peut arriver dans le Seigneur. Et nous avons besoin de comprendre ça là, comme un humain, surtout un humain qui a l'infini confiance pour les soyez amanat, iman, islam et ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour tous ceux qui m'ont expliqué là, m'ont témoigné, elle l'autorité à part d'Allah, peine à la divinité pour capable faire ça qui lui ou lui arrive. Ashhadu Allah ilaha illallah. Wahdahu, m'ont témoigné qu'il peine aucune divinité à part d'Allah, personne peine bon Dieu à part d'Allah, et Allah lui unique comme un bon Dieu qui détenir la divinité. Pas une capacité qui permet sa volonté réalisée. Allah lui unique là-dedans, la sharika là, lui n'a aucun associé dans aucune ce bonne capacité. Wa ashhadu anna Muhammadan khalaqahu Allah wa astafahu. Et nous témoignons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah même fin créé et Allah fin préparé, fin choisir. أرسله الله بالهدى ودين الحق الله في نوفوي لي avec la guidance et digne de la vérité ليظهره على الدين كله afin que sa رسول الله fait sa dîn la vérité la parole d'Allah vin la au bandin qui fosse prévaloir
et met en valeur l'efficacité à ce système, à ce mode de vie. L'efficacité dans établir l'amitié, la fraternité, la solidarité, la joie de vivre, l'harmonie, la sécurité et la prospérité matérielle, aussi bien que la prospérité éternelle. Pénalgène le dîne qui a l'un choisiré pour humain. Et le dîne indallah et l'islam. Dîne que Allah c'est seulement l'islam. La soumission totale à la volonté d'Allah. Et les principes de cette soumission, c'est dans la révélation coranique, la mise en application des bons principes coraniques, c'est Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah il envoie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à une personnalité qui lui fait créer, lui fait préparer, lui fait perfectionner et lui fait envoyer avec la guidance Coran comme un principe révélé qui est applicable dans la vie humaine pour rassembler toute l'énergie humaine individuellement, amène tout dans la collectivité pour se appliquer mode de vie du créateur, qui se créateur est préconisé pour eux, et dans l'ensemble de cette collectivité, de établir la fraternité, l'amitié, la solidarité, et de jouir la prospérité comme résultat qui mode de vie, le système qui le créateur est préconisé pour appliquer sur la terre, pour réduire le culte, en d'autres mots, l'obéissance réservée seulement à Allah, le commandement réservé seulement à Allah, la législation réservée seulement à Allah. L'homme n'est qu'un vigérant de Dieu. L'homme n'est qu'un vigérant de Dieu. Ligéré au nom du Créateur. Et voilà, nous sommes là, musulmans, choisis par Allah, confianceurs d'Allah, pour appliquer Allah ce dîne premier dans nous la vie, dans nous la case, dans nos localités et dans nos pays que nous vivons. Ça va vous dire si une minorité nous impose la majorité, ça qui n'a pas accepté par raisonnement, par compréhension et par l'état de conscience. Wa ma alayna illa al-bala, nous là pour transmettre le message. Et n'importe quand appelle-nous pour donner coup de main pour gérer, nous avons l'obligation pour répondre positif et nous montrer la gérance, le vase de la moralité, la justice et la non-discrimination. Donc, étant confianceur de Dieu, d'Allah, étant porte-parole d'Allah, choisi par Allah, nous sommes donc le target du Satan. Iblis, lui n'a pas pour le perdre le temps, l'osimé X, Y ou bien Z. Lui pour cisli l'osimé droite, le Satan pour cisli l'osimé droite, divan derrière droite-gauche, lui pour mettre l'homme dans un tourbouillonnement pour que l'homme n'a pas établi le royaume de Dieu, l'eau, la terre qui appartient à bon Dieu. Et l'homme prend Iblis avec tout ce qu'on dit comme Dieu, comme l'autorité, et l'homme lui substitue Iblis à la place de Dieu pour faire les diriger par un mode de vie, par un système qui lui fait humain, organisé, humain préconisé et humain exécuté. Parmi un système humain, le socialisme, le communisme, l'impérialisme, le sionisme, le christianisme, l'hindouisme, ainsi de suite. Tout bon système la vie qui n'a pas en provenance de la révélation de Dieu,
de la révélation d'Allah l'y amène vers la rébellion, l'y amène vers l'usurpation, l'injustice, la discrimination, le désordre, le chaos. Seulement Allah se dit qui garantit la sécurité, l'harmonie, la joie de vivre, l'équitabilité, l'égalité, l'uniformité et l'établir l'harmonie sociale, l'établir justice, équitabilité dans la redistribution de la richesse et dans considération en termes humains, peine à discrimination en ce qui concerne la loi mondiale. Pareil comment ban qui pas croire dans mon Dieu, ban qui pas croire dans Allah, je tenais un droit d'un pays démocratique pour expliquer ce système qui basé soit le capitalisme ou bien le communisme ou bien l'impérialisme. Pareil comment je tenais un droit pour se promulguer, pour se faire entendre la voix concernant ce système, également, nous, habitants de ce pays-là, nous avons un droit égal. Droit de l'homme international permet-nous d'un pays démocratique pour nous cause au nom de la vérité qui nous représentait. La vérité qui nous représentait, c'est la justice pour tous, la non-discrimination, l'amitié, la fraternité et la solidarité. Pénalement, d'islamisation de la société quand nous sommes une minorité d'un pays. Nous reconnaître droit de vivre de tout un chacun, nous reconnaître la loi que peine à désobéissance, bon Dieu, là-dedans, nous reconnaître. Et nous avons l'obligation pour nous abattre à la loi que peine la désobéissance du Créateur là-dedans. Parce que, en tant qu'être humain, nous pareil comme à tout le monde en tant que créature humaine. Nous, même pas chrétiens, nous tous avons le même droit comme un humain, droit de créature, et nous sommes un créateur. Nous avons le droit pour inviter toute une créature qui dit à ce pari qu'on est un créateur, invite-le d'une meilleure façon, avec la modération, avec la tolérance, d'une meilleure approche, invite-le pour reconnaître un créateur et pour soumettre totalement à la volonté de sa créateur. Là-dedans, il n'y a aucune loi dans le monde qui est capable d'empêcher nous cause à la vérité. Alors, mon frère, ma sœur, nous voilà comme un parti établi, plus qu'il 30 ans, l'on l'a terroriste, et dans toute élection qui vient, à partir qui nous officialise, nous partis, dans toute élection qui vient, depuis 91, nous participer jusqu'à sa dernière élection qui vient, les 14 juin, à cause d'une élection municipale et d'un gouvernement local, appelle ça local government. Local government, un gouvernement régional, un gouvernement dans Pont-Louis, un gouvernement dans Bouba-Saint-Rosile, dans Quatre-Monts, dans Vacoa-Phoenix et dans Kierville. Un gouvernement local. Le peuple, lui choisir, ban du monde qui pourra agir comme conseiller municipal, ban là pour élire un maire. Et les maires là pour un droit de gérance au nom de la population. Si il y a les maires qui vraiment a la justice dans lui, il y a la moralité dans lui, alors le peuple peut jouir résultat de ce justice, résultat de ce moralité. Mais s'il y a les maires qui suivent la ligne de conduite d'un autre leader, la ligne de conduite d'un autre parti, par exemple, il n'y a pas un gouvernement central, il met ce bon candidat, alors, ce bon candidat-là, pas pour gagner droit sorti, en dehors la ligne de conduite du parti qui veut gouverner dans le gouvernement central.
Et la question que le gouvernement central a le droit de dire avec la population locale, par exemple, le gouvernement Le Pen, l'Alliance Le Pen, vient dire avec la population pour lui, le droit de dire, dit tout, si on n'a pas votre gouvernement, nous vous servons. Nous n'avons pas le droit de dire, si tu es à nous, nous n'avons pas le droit de blâmer pour du mal à Allah, touffe-toi, c'est à toi. En tant qu'un croyant, on n'a pas le droit de courber, prosterner devant aucune créature dans désobéissance, créateur. Au besoin, il a une liberté totale. Si un dimon mérite, il trouve dans le monde. Au besoin de lui se mérite, sans qu'il prenne l'instruction avec la ligne de conduite du peuple. Au besoin d'une liberté parce qu'il sait où qu'il peut le rendre compte devant le maître créateur. Et si Allah il fait ou vit musulman, si Allah donne nous un système de gérance qui appelle l'islam, dire à l'islam, c'est pas pour dire qu'il est musulman, quand on peut faire la masse, on peut faire le rosa, on peut lire le Coran, ou bien quand on peut donner le sadaqa, ça tout seul est égal à un musulman. Non! L'on a cinq piliers là. Numéro 1, kalma la ilaha illallah. Numéro 2, salat. Numéro 3, suyam. Rosa. Numéro 4, zakat. Charité. Numéro 5, hajj, pèlerinage. Là où ça cinq piliers là, bouni à l'islam ou à la khamsin. Ou rose islam, système là, ça cinq piliers là produire sa comportement de la soumission qui administrait au nom de Dieu la société. Tel est notre devoir vis-à-vis d'Allah pour la confiance qu'il nous a fait pour nous faire, pour faire nous vivre musulmans. Nous faisons vivre musulmans pour qu'il nous fasse le système de la vérité prévaloir le système fausse. Si on est encore dans l'incompréhension de sa vérité là, nous faisons droit avec Allah, qui Allah ouvre le cœur vers la soumission. Parce que quand Allah le dit bien, quand quelqu'un Allah fait lui comprendre. Et quand Allah le guide un quelqu'un, Allah ouvre le cœur vers la soumission. C'est tout qu'il a, c'est une bonne parole de sa vérité là. J'étais là pour établir l'amitié dans le combat pour faire sa vérité là prévaloir. Et là pour coster ses épaules avec ses épaules, et c'est ça l'entraînement là qui vous fait cinq fois par jour, pour venir donner un coup de main pour la réalisation de l'implémentation de cette vérité et cette moralité. Ou créer la fraternité à travers la prière devant Dieu, tout uniforme, tout égal dans le combat pour faire respecter bon Dieu son intégrité et établir le royaume de Dieu en peste domination humaine ou humaine. Si vous pouvez comprendre, nous nous prenons l'engagement là avec bon Dieu, avec Allah nous prenons l'engagement là pour faire ça la vérité la prévaloir. Au maximum de nous-mêmes, nous pouvons faire tous les efforts qui possible pour ça humain là, les pas un esclave avec l'autre humain. Il n'a pas mis un esclave, un parti qui sont son idéal, les contredire la révélation, son idéal, le capitalisme, ou bien le socialisme, ou bien le sionisme, qui sont l'intérêt, les travaillent dans l'intérêt franc-maçon, dans l'intérêt d'un gros capital, dans l'intérêt d'un ICRBR, d'un corrupteur. Nous, dans nos présences, s'il fallait nous laver aller, nous n'avons pas pour vendre un lalit qui Allah nous confie nous, une confiance qui Allah nous fait à nous, pour nous vendre dans l'humain, avec dans les autres humains qui peuvent agir avec corruption et injustice aux autres. Tel est notre système. Et ce soir, dans une grande meeting, je vous explique ça personnellement. Je vous explique ça à la cité martiale dans mon rôle, cité martiale. Baitounour, c'est démentiel, 8h30. L'incombin, veut dire l'impératif pour vous, membres de sa communauté-là, peut-être quelque chose qui est là pour vraiment expliquer. Là, nous le temps limité, là-bas, on peut plus comprendre en détail, il est important, vous pouvez nous faire beaucoup de meetings là. C'est ça, meeting-là, et qu'un dernier meeting pour nous.
Dans ce meeting-là, nous pouvons expliquer ce qu'il fait. Allah peut écraser nous-mêmes et Allah peut écraser le peuple. Nous pouvons expliquer ce qu'il fait et comment. Quand on met une madame à la tête d'un État, il y a un signe. Là, il ouvre les haqqaqoum. Le chef indien, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, là, il ouvre les haqqaqoum. Il ne va pas prospérer sa communauté-là. Wallat amrahum imra'atan, qui confiait ce bon affaire d'un pays à une madame boujérisée. Et quand il était parmi eux, poussé par sa école, il va mener des avec moi pour dire, mais il n'est pas peut diriger. Quand il n'est pas peut diriger, s'il n'est pas signé. Fait par exemple de lien la loi, pota. Et lien président, il n'a pas signé la loi là. L'autorité là, vous allez y aller. Mais moi, vous avez une lettre avec le président là, je vous dis là. Vous allez, mais commémoration au bébé président d'un pays, libère sa quatre prisonniers innocents. Attendez un coup, est-ce qu'il y a un droit? Oui, constitution, dans chapitre 75, dit, il y a une prérogative, je qui peut nommer le président pour lui donner liberté quelques prisonniers. Et ça capte là l'innocent, on montre les autres innocences le mollet, on envoie une lettre officielle dans la case. Il veut une président historique, ça. Au moins, marque ça l'histoire-là, libérer sa carte innocent-là, prend le deux propres prérogatives, et si maintenant, il dictateur de démission. Si vous trouvez plein la raison, dans ce qui vous plaisir, vous donnez rendez-vous devant Allah, ou à trouver vous la raison, bien vous plein la raison. Comme ça même, vous avez le droit, comme un leader politique, dire, le jour qui peut commémorer de présidence, déclare l'alcool illégal ou bien cigarette pareil pour la racine, il déclare cigarette par un droit fumé dans la place publique. Déclare-les comme ça. Vous êtes tous par vous-même, tu es dans la naissance, tu es dans la bourrasse, ou bien tu travailles sous pression, sous l'instruction. Rappelle qu'il y a un président qui démissionnait quand il donne la loi quota pour voter. Pas oublier ça, dit tout. Alors, mon frère, mon pizza, tout ça là, ou responsable devant Allah, pour donner-nous un coup de main. Un vrai coup de main, surtout vous dire, dans sa élection-là, l'enjeu de sa élection-là, quand ça y mandat là pour aller, avec l'épée, avec MMM, ou bien les pour rester dans son valeur, dit pour s'amener à dire Allah, il fait des confiances là, les pour rester avec sa qualité, avec l'islam. Tel est notre rendez-vous devant Allah pour ceux qui pour traverser les 14 juin. Dans ce pays-là, est-ce qu'il s'accompagne là? Les poils avec ce l'ennemi, ou bien les poils avec Zuf, ou bien les pourris avec ce qualité. Ça, très très important, pour tout le monde serait équipé. Ça, la voix là qui arrive jusqu'à cette conscience, par l'eau d'Allah, vous demandez la voix qui Allah fait ce véhicule. Sa importance, sa l'enjeu, sa élection les 14, et qui se fait à chaque musulman par esclavage, parce qu'il y a une seule abstention capable de faire de la gagner, l'eau, la vérité, l'eau, la moralité. Ou il y a un devoir pour montrer aux vigilances comme un confianceur d'Allah, comme un porte-parole d'Allah, pour être au service de la vérité, au service de la moralité, et décharge aux responsabilités comme un ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dis-nous tout ensemble avec nous. Aujourd'hui, je vous sortis moi-même. Depuis ça, ici, je commence. Pour moi, donner ce message-là, la case par la case. N'importe qui s'en a parmi vous, il a envie de nous un coup de main. Sous le tribunal, je vous trouve, nous commencer avec la ilaha l'olala, tabir Allahu Akbar, dans nos lesquels, et nous bien besoin de nous faire, pour ne pas faire erreur, pour abstenir. Besoin, profite de cette occasion-là pour donner une leçon. Qui nous aina une dignité, nous aina un honneur, pas toi qui nous donne nous, Allah qui nous donne nous, et même te menacer, nous n'avons pas peur, nous peur Allah plus qu'il se tout. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه سي سامي بارول مبيدي من الله قادم بموا إبو أوسي أوسي من الله قادم الله en vérité il y a un grand pardonneur il y en a beaucoup pitié pour ce matin. Thank you.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وكونسيكم وكونسيكم مهم ونفيد بتقوى الله اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ولدن النفس تقوى Purifier nos nafs, c'est toi le meilleur purificateur de mon âme, c'est toi son propriétaire et son maître. Allah, il fait une commande nous pour demander. Premier, nous remercier Allah et nous demande Allah, qu'Allah fait nous tout le temps reconnaître et remercier. Nous remercier toi, Yahweh, que tu fais nous bien musulmans. Nous remercier toi, que tu fais nous bien croyants. Nous remercier toi, que tu fais nous bien ummah pour ton habib. Oh, nous maître, mette-nous à ton service. Les respirer, qui restaient dans nos labis, pour nous mettre à partir aujourd'hui, fais-nous transmettre le message de la vérité qui te confie nos chefs, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, et qui te choisit à nous comme ce ummah. Et fais-nous marcher dans ton chemin, pardonne le message, les autres, seulement pour te plaisir, pour nous établir l'amitié, la fraternité et la solidarité. Pour nous mettre sans les guerres ban croyants. Tous les guerres ban croyants, c'est toi qui tournes dans les guerres, tout ban les guerres ban croyants en te dé les doigts, te tournes dans la direction qui doit t'envie. Pour nous mettre, nous présente la vérité et la moralité, nous demande-toi pour tous les guerres vers nous, et tous les guerres loin avec te ban l'ennemi, avec ban qui renonce à ton livre, à ton message, à ton prophète. Lorsque nous dépannes, ton même Europe, qui s'en a qui nous n'en apporte toi, donne-nous courage, dévide la patience et la persévérance dans nos actions, fais-nous action seulement pour ton plaisir. Pour nous mettre, choisir parmi les bandes fidèles, bandes qui ont envie de contribuer en termes d'argent, en termes d'énergie et en termes d'état. Pour nous donner un coup de main dans ce travail-là, à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi prochain. On aura, donne-nous la victoire dans Dunia et dans l'Akhirat tous les deux, et lève-nous après nous la mort, pour les bannes qui doivent te satisfaire avec eux. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وبارك على محمد كما صليت وباركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعلى الخلفاء الراشدين الأميين الأربعة الأميين يا رب العالمين والأمهات المؤمنات الطاهرات ومن تبعهم إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ارحم الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك وأعداء الدين أنت مولانا فانصرنا على القوم المشركين والكافرين ربنا لا تزيع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه فقربنا إليك في الدنيا والآخرة واجعلنا من المخلصين يا رب العالمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أكرم الأكرمين إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة نجيب دين الصلاة فوق ميسر الله يلا أقم الصلاة